c'est parti pour un vlog toute la journée au Maroc. Première chose que je fais, c'est que je nourris le pigeon. En fait, je vous explique, de base, c'est un pigeon qui bougeait pas du tout. On l'a recueilli parce qu'il était blessé. Et là, il va beaucoup mieux, il marche, mais il faut qu'il vole. Et je vous montre ma technique pour le faire voler. Et... Regardez. Ah, un tout petit peu, miskin. Putain, il a du mal encore. Là, d'habitude, il a encore plus de facilité. Ouais, il va plus haut. T'as vu? Mais là, regarde, Asya, dis-leur avant comment il était. Avant, il arrivait pas à voler, il marchait même pas. Il bougeait même pas. Ensuite, je prends le chat. Alors là, vous avez l'impression que c'est un chat un peu en mauvaise santé, mais c'est parce que vous l'avez pas connu comment il était quand vous venez de le recueillir. Ce chat ne bougeait pas. Il est en très mauvaise santé. Il était en très mauvaise santé, ouais. Après, le vétérinaire, elle lui a donné un petit traitement. Et là, il va beaucoup mieux. Et là, il bouge plus. Par contre, ils sont courts. Ensuite, là, on va sortir un peu. Du coup, je vais me maquiller. Et je vais me maquiller avec vous. Je vais pas beaucoup me maquiller, je vais juste me mettre un peu d'anticerne là. Après, j'essaie des tenues avec vous et vous me dites celles que vous préférez, ok? Je sais qu'il y en a plein qui trouvent que je passe des vacances nulles. Est-ce que, Asya, t'as déjà vu des commentaires de gens qui disent qu'on passait des vacances nulles? Oui. Ça sait pas de dire ça parce qu'ils ont toujours été habitués à ce qu'on ait des vacances comme ça parce que on se repose, on est bien, on est un peu comme ça dans la famille. Moi aussi, je trouve qu'elles sont bien les vacances. Parce qu'on a dit c'est chill. Bah en fait si on veut rester à la maison on reste, si on veut sortir on sort. Bah oui. Il y a pas de. C'est juste qu'on est un peu tous des casaniers en fait. Donc je fais le Nesquik que tout le monde déteste mais qui me permet de me sentir mieux. Tu m'as fait aussi et j'ai tout suite enlevé. Oui, je l'ai fait à ma petite cousine, elle a retiré direct. Je me sens mieux quand j'ai ça sur le nez. Bon. J'ai mis une petite robe comme ça. Je vous montre ce que j'ai pris des lasagnes, une petite salade César avec du fromage, elle est trop bonne, celle-là je la connais déjà. Bon, les lasagnes elles sont très très bonnes. Après c'est pas des restaurants UP ou je sais pas quoi. Je vais dans les restaurants avec lesquels j'ai grandi. Je sais qu'ils font leurs salades et leurs lasagnes très bien. Non, j'aime pas. J'aime trop les salades, je trouve ça trop sous-côté. Elle va un peu mieux. On dirait pas qu'elle va mieux, mais elle va un peu mieux. Là, je lui mets juste le produit. Là, peut-être. Lost. Mais j'ai déjà mis tout à l'heure. Vous voyez, quand vous voyez des chats comme ça au Maroc, vous avez l'impression que c'est fini pour eux. Alors que c'est pas fini. Et je vais vous mettre des avant-après. Parce qu'on filme jamais ça. Parce que ma mère, elle veut jamais que je filme. Elle dit que c'est de l'ostentation. Alors que c'est pas de l'ostentation. C'est, au contraire, ça peut vous donner des techniques et tout. Ça. Je vais vous mettre des avant-après de à quel point on dirait qu'ils sont. Qu'en gros, c'est bon, ils sont morts. Alors que non. Il y a tellement moyen que leur situation s'améliore. Et bah là, suivez-lui. On va mettre l'évolution de lui. Suivez bien. Vous verrez au fil du temps. Au fil des semaines, même pas. Au fil des jours. Vous verrez au fil des jours comment il va être. En attendant que le refuge il ouvre. Et ensuite il vivra une vie heureux au refuge. Charles. Très heureux, Charles, avec des airs de jeu et une famille. Tiens. Merci. Bon, la petite dame m'a acheté des cadeaux apparemment. Tu peux leur montrer? C'est des robes. Waouh. Wow. Ah oui, mais ça m'étrangle. Là. Ça fait 26 ans que ma mère, elle me connaît, qu'elle sait que je porte pas les vêtements comme ça. Elle est large, elle est large. Non, il est pas large, la petite dame, ça me tremble. Large. Mais il est décolleté, ce truc-là. Il est pas décolleté. Tu mets pas de décolleté. C'est juste comme ça, vous voyez, comme ça, par exemple, c'est parfait. Juste que ma nuque respire. Bah, il est comme ça. Pas tout. Non, je rigole, non, il est comme ça. Mais très beau. Bon. Oui, je vais l'essayer. Très beau, je vais sortir avec toi. Merci, la petite dame. Bon, j'essaye. Je sens un air étranglant. Bismillah. À partir du moment où ma tête a du mal à passer, c'est que c'est étranglant. Non, il est bien passé. Elle est bien classée. Gakli, capable, je te laisse. Waouh, il y a un redoble là. Ah oui, ça va. Magnifique. Essuie-glace. C'est moche, petite dame. Ah, non, je vais casser, c'est beau. Un coca. On dit merci. Merci, ma petite. Gakli, achète un coca, achète l'essuie-glace. C'est bien.
Qu'est-ce qui se passe? Il est très bon, Assia, je te jure. Ah, c'est pas bon. Je vais pas. Pourquoi je me sens ça? Oui, il faut que tu manges. Okay. Tu veux pas rester tout le temps sans manger? Je vais essayer avec celui-là. Mange. Je sais même pas pourquoi. Oui, le fait, tout le monde me dit ça et ça me vexe. Alors que moi, je m'amuse. On n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes vacances à Marrakech. Moi, c'est ça mes vacances et j'aime bien. Bon, là, je vous explique, toute ma famille, ils sont partis à Agadir pour passer un week-end là-bas avec la plage et tout. Enfin, un week-end, hein, juste une journée et demain. Et du coup, moi, j'ai pas voulu y aller. Comme d'habitude, la plombeuse d'ambiance qui veut pas quitter la maison, c'est moi. Et ça, que mes petites cousines, elles ont voulu rester avec moi. Et il faut que je leur fasse passer une bonne soirée. Donc, vous voulez faire quoi, les filles? Déjà, on va commander à manger. Et ensuite, on se fait une petite soirée karaoké? Ouais. Ok. Allez-y. C'est nul, on aurait dû partir avec eux. Non, je regarde. C'est toi qui voulais pas. Oui, je sais, mais on va passer une meilleure soirée. Faites-moi confiance. Je vais commander plein de trucs et on va danser. Non, mais on n'est pas obligé de faire la fête. Ah oui. Si, on fait la fête jusqu'à que les keufs viennent et ensuite. On va pas manger mon truc. Tu as pris du tout, on mange. Regardez, j'ai pris plein d'hamburgers. J'en ai pris 4. Donc il y en a 4 le monde, ouais. Ah, on donne un au chat et lui d'ailleurs. Ils sont bons. Ils sont bons. Très bons. Je mets quoi comme musique? Vraiment, il y a de la barbecue. C'est pas du ketchup? Ah, c'est de la barbecue. Ils sont tous à barbecue, je viens de dire. Quelqu'un le dit. Attends, je regarde. Croquer. Non, je vais pas tout faire croquer. Vas-y, vois. Je vais juste voir dedans, il y a quoi. Ou alors sans lait. Regarde, il y a mais ils sont pas tous pareils. Il y en a un poisson, il y en a un. Ah, ils sont différents. Regarde, ouvre-le. C'est là. Oh non. Il y a pas les mains. Il y en a un. En fait, mange-le, croque-le, je sais pas, c'est du. Mange-le, ça. Celui-là. C'est le même. Poisson. Non, non, c'est pas les mêmes. C'est un peu sec. Ah, quand on mettait ça.